Hey Frenchies, alors bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, Sephora va manger des choses minuscules, donc des mini hamburgers qui sont pas pareils. En fait, Sephora va manger des mini bagels. Il y a des mini bagels saumon, bacon et œufs, et l'autre c'est, je sais plus, je crois que c'est cheese cheddar ou un truc comme ça. Et là, on a des petits hot dogs. Et là, elle a des, exactement, des mini hot dogs. C'est trop mignon, ça fait une petite cuisine. C'est Sephora qui a voulu absolument que j'achète ça. On était parti à Picard et elle m'a dit, maman, est-ce que tu peux prendre ça? Manque de peau, ils mettent les frigidaires de leur congélateur, taille enfant. Du coup, elle voit tout ce qu'il y a dedans. Bah du coup, j'ai pris. Et aussi, il y avait des glaces mode citrouille Halloween si vous en voyez. Goûtez-les, elles sont délicieuses. Voilà, Sephora s'est fait plaisir, elle voulait ça, je dis ok. Et comme c'est mignon, bah, c'est pas mal comme en vidéo. Mais d'abord, nous allons commencer par faire les shout-out. Parce qu'on sait que vous aimez les shout-out. Et on aime vous faire plaisir à faire les shout-out. Premier shout-out pour Eunice Claudia, qui est du Gabon. Pour Asmine de Turquie. Pour Monica. Pour Ryan. Pour Lolo et Rose 974. Bouya. Pour Florian Ilrodirigue. Pour Lisa Delvaux de Belgique. Pour Lina Rosa. Pour Sisters and Rider. What? Les sisters. Pour Alicia RM. On vous aime tous très bon appétit. Tu veux dire bye encore? T'as pas envie? Mais si tu veux pas, personne te force, hein. Nous avons toujours notre partenariat de Cold Death Water. Vous pourrez bénéficier de 10% de réduction en rentrant notre code spécial RNS. On vous aime tous très fort. Bon appétit. Bon appétit. Et regardez. Et si vous entendez chouiner, c'est bébé. Si vous entendez chouiner, c'est normal. Il y a Aaron qui est juste à côté, il est en train de manger. Oui. Alors ça. Là, et ce qu'il y a dedans, c'est saumon fumé et crème. Tiens, et je vais donner le même à Aaron. Je donne le même à Aaron, il ne veut pas manger son bouillon de fruits, il préfère manger ça. Son bouillon de légumes. Oui, ça, oui, je dis son bouillon de fruits. Pour Aaron, pour hier, on a mangé ça. Donc c'est un bouillon avec plein de légumes et du poisson, enfin des fruits de mer et tout ça. Donc c'est ce qu'on a mangé hier soir et Aaron, comme il dormait déjà, bah, il a pas pu manger, il a pris son bibi. Donc voilà. C'est bon. C'est bon ça? Ça a quel goût? Du poisson cru. Du poisson cru. C'est du saumon fumé? Il est cuit, il est fumé. C'est bon? Ok. Et Aaron aussi, il aime apparemment. Hein. Le gars, il a vu ce que Sephora mange et il a absolument voulu manger ça. Il est en train de manger ses légumes. Dès qu'il a vu comment Sephora commencer à manger. C'est pas grave, tu mangeras tes légumes tout à l'heure. C'est toujours meilleur ce que mangent les autres. Hein. Bah oui. Alors, nous avons une incroyable nouvelle à vous annoncer. Tu leur montres d'abord le mini hot dog? Oui. Mini hot dog. Le mini hot dog est comme ça. Il est trop mignon, il est tout kawaii. Wow! Tiens. Et le bébé, c'est sûr, il va crier. Il va vouloir, c'est sûr. Alors, la nouvelle que nous avons, c'est-à-dire que vendredi, qu'est-ce qu'on a reçu comme message? On a reçu, enfin, j'ai reçu un message de la part de l'école de Sephora. Dans sa classe, il y a un cas de coronavirus. Pareil pour une autre classe de CM1, CM2, du coup voilà quoi. Donc apparemment ils nous ont dit qu'ils étaient au courant depuis mardi, qu'il y avait un dans sa classe ou une dans sa classe qui avait le corona, montre de près c'est quoi. Et du coup bah ils ont attendu le week-end que les parents récupèrent tous leurs enfants pour nous envoyer un message pour nous avertir. C'est comme ça. Ça veut dire il y en a deux qui ont le corona. Dans ton école oui. Donc voilà, heureusement depuis la rentrée là, Sephora elle porte le masque, elle a 6 ans, donc elle fait partie de la catégorie des enfants qui sont obligés de mettre un masque. Donc
ça c'est déjà bien, ça la protège déjà assez. Mais par contre, voilà quoi, on aurait aimé être averti dès qu'ils étaient au courant, quoi, qu'ils nous disent clairement au lieu d'attendre qu'on parte, qu'on récupère nos enfants et qu'ils nous avertissent au dernier moment. Ils ont attendu bien toute la semaine avant de nous avertir. Donc voilà, je trouve que ça se fait pas du tout. Ça ne se fait vraiment pas du tout. Et toi, mademoiselle, montre-moi comment tu portes ton masque. Sephora, c'est une sauvage, elle porte son masque normalement. Elle m'a dit que quand elle a besoin de parler dans la récréation ou quoi que ce soit, elle fait baisser son masque sur son menton, elle dit ce qu'elle a à dire, elle le remet. Dès qu'elle veut à nouveau parler, dire quelque chose, elle le rebaisse sur son menton, elle parle et elle le remet. Ce n'est pas comme ça, Sephora, que je t'ai appris à porter ton masque. Voilà pourquoi ça ne sert à rien de donner des masques aux enfants. Les enfants ne savent pas comment on fait. Même quand on leur explique, ils n'y pensent pas. Ben oui, tu penses pas. Tu penses pas qu'il y a la maladie. Tu vois, tout le monde est normal. Tu penses pas qu'il y a la maladie. Et regarde, résultat, il y en a un dans ta classe qui a le coronavirus. Et dans le message que l'école nous a envoyé, il n'y a pas que les enfants qui sont malades. Il y a aussi les parents. Les parents de ces enfants-là, ils ont été testés. Donc voilà, je trouve que ça se fait pas. C'est un coup de bâtard, comme on dit, quoi. C'est un sale coup qu'ils nous ont fait, l'école, de nous avertir au dernier moment, de nous laisser bien le week-end. Ils attendent vendredi soir, 17h, 18h, pour nous avertir. Attention, il y a un cas de coronavirus dans la classe de votre fille. What? Voilà. Hey, alors ils sont beaux ces mini hot dogs? C'est très bon. Tu peux en goûter un. Je vais donner un à bébé. Je vais prendre celui-là et je vais le donner à bébé. Regardez comment ils sont tout kawaii. Il est tout mignon. Il est trop chou. Même celui-là. Tiens. Il regarde ça, il a touché à ça, il se fait... Il a déjà fini le mini bagel. Ils sont bons. Celui-là, t'as pas encore goûté, si? Ok. Je vais leur montrer de près. Alors, ça, c'est un mini bagel. Il est comme ça. Il y a des graines de sésame noires et des blanches. Et même, il y a du fromage dedans. Ah, tu cherches du fromage, ça? C'est quoi, ça? Fromage? Je sais pas du tout ce que c'est. C'est un petit peu de fromage. Faut que je regarde sur la boîte. Ils sont trop mignons. Attends, je te les pousse bien au milieu. Là. C'est pas du fromage. C'est pas du fromage, c'est quoi? Je sais pas. Tu sais pas? C'est bon? C'est pas bon? Toi qui veux tout manger, là! Elle veut absolument tout goûter, je veux manger ça. On peut acheter ça, on peut prendre ça, j'ai envie de manger ça. Et là, au final, c'est pas bon. Où est-ce qu'on les a achetés? À Picard. Voilà, on fait souvent nos courses à Picard aussi, donc on est passé dans les rayons, on a kiffé, on a trouvé joli. Enfin, Sephora a trouvé joli. Elle sait ça, on est dans les magasins, on peut acheter ça, on peut acheter ça, on peut acheter ça. Maman, ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça. Maman, je peux avoir ça. C'est pour ça que maintenant, quand je vais faire les courses, j'y vais toute seule, sans Sephora. Hey! Ah, il aime pas le mini hot dog. Hein. Tiens, regarde, mange la saucisse. Miam, miam. Non? Non? Tu veux pas ça? Ok, on dépose le hot dog. Tiens, prends une bouchée. Et Attends, je lui donne celui-là. Tiens. Celui-là, t'avais bien aimé. Bon, t'as bien croqué. À mon tour. Celui-là, il avait bien aimé. Miam, miam. Il le tourne dans tous les sens pour vérifier que c'est pas du poison que je lui ai donné. Miam, miam. Je suis obligée de dire miam, miam pour qu'il mange. Miam, miam, miam. En plus, il y a du bacon. Ouais, celui-là, des œufs et du bacon. C'est bon? Le gars, tiens, mange tes carottes. Tiens. Ça
c'est bon. Ça il mange. Il a mangé ton mignotte bug là, il avait. En vrai là je dépasse bientôt la caméra là. Bientôt il faudrait que tu arrêtes de mettre le tabouret. Il fait gris, il fait pas beau, c'est chiant. Il n'y a rien à faire. Il a plu la nuit, le jardin il est tout mouillé. Du coup, on va quand même pouvoir aller dans le jardin, jouer un petit peu au ballon tout à l'heure. Mais on va pas pouvoir se rouler comme hier quoi. Hier le petit il est tombé plusieurs fois. Je mettrai les photos sur Instagram, toutes les photos que j'ai prises, les vidéos aussi. Il faudrait que je les mette. C'était bien, hein? Ça fait du bien de jouer tous ensemble dans le jardin. Tu kiffes, hein? Oh, guys! J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Toutes les notifications. Toutes les notifications. On vous aime tous très fort. Bye!